J'ai revêtu mon écharpe comme je le fais pour les grandes circonstances et en particulier lorsque je vais rendre hommage au centenaire de l'entité. Ça n'arrive pas si souvent, mais tout de même, on vit bien à Jambou. J'y suis allé au mois d'août, au mois de novembre, il y aura une nouvelle centenaire à célébrer. À chaque fois, c'est un moment exceptionnel. C'est l'occasion de se remémorer un parcours de vie, de se souvenir des grandes étapes de l'existence, avec les bons moments et parfois les moins bons. C'est évidemment l'occasion de dire à la centenaire toute l'admiration que l'on ressent devant sa longévité. C'est aussi surtout un moment d'émotion, puisqu'on se rend compte dans de telles circonstances à quel point la vie est fragile. Quand on est centenaire, on sait qu'on n'est plus tout à fait éternel. Et puis c'est un moment de partage avec les proches, les amis, la famille. Ce sont de beaux moments. Et ce soir, ici au foyer communal, je pense que c'est un peu cet état d'esprit-là qui est le nôtre. Nous ressentons ces mêmes sentiments. D'abord, beaucoup de reconnaissance et de gratitude à l'égard de tous ceux qui ont fait et qui font encore l'Académie Victor de Becker, à commencer évidemment par les fondateurs, en quelque sorte, M. Victor de Becker, M. Louis Lamèche, qui ont écrit la partition de l'opéra inaugurable, qui va connaître ce soir un prolongement avec un opéra spécial que vous allez découvrir. C'est l'occasion d'avoir beaucoup de reconnaissance à l'égard de tous ceux qui ont perpétué un enseignement de grande qualité, des directions qui se sont succédées les unes aux autres, les enseignants qui ont prodigué cet enseignement. Un enseignement à la fois accessible à tous et en même temps qui invite chacune et chacun à se surpasser, à se dépasser, à se transcender. Nous sommes, chers amis, les héritiers de cette histoire-là, et il nous revient d'en assurer en quelque sorte la pérennité, de faire en sorte que, parce que Jambou se veut ville durable, elle puisse inscrire dans son développement la longévité d'institutions comme l'Académie Victor de Becker, et à travers l'Académie, nous puissions inscrire dans notre développement collectif la dimension artistique tellement importante, la création culturelle, et tout ce qui fait la richesse de la vie à l'Académie Victor de Becker, que ce soit la musique, le chant, la danse, les arts parlés, tout cela fait partie intégrante de notre développement. Nous avons beaucoup de gratitude à l'égard de ceux qui ont fait l'histoire de l'Académie, et je suis sûr que nous allons aussi ressentir ce soir beaucoup d'émotions. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions en découvrant sur scène les prestations des élèves de l'Académie, qui sont peut-être vos enfants ou vos proches. À la fois, on va admirer la performance artistique, et puis surtout, on va être ému, je crois, par la qualité des personnalités qui se révèlent à travers ces prestations artistiques. Je crois que tous les anciens de l'Académie le disent. L'Académie, pour eux, ça a été un lieu d'apprentissage, bien sûr, mais aussi et surtout un lieu de vie. Ça a été un parcours de vie qui leur a permis de progresser. Et je pense que ce soir, l'émotion que nous allons ressentir, elle tient aussi à l'épanouissement que nous allons pouvoir constater de tous ces élèves dans la pratique de leur discipline artistique. Beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'émotion. Il y a aussi un grand plaisir à se retrouver aussi nombreux pour vivre ce moment de partage et de communion, tant sur la scène que dans la salle. Mesdames, Messieurs, chers amis, la vie est fragile et quand on fête ses 100 ans, on le mesure sans doute mieux que quiconque. La vie est difficile, nous traversons des temps sombres, troublés, et si on se reporte un siècle en arrière, sans doute notre période se rapprochait davantage des années 30 que des années 20. Mais quelles que soient ces difficultés, la vie est belle, elle est magnifique quand elle fait droit à l'art, quand elle fait droit à la culture, quand elle fait droit à la créativité, à la beauté, au talent et à la générosité. Je pense que ce soir, ensemble, nous allons vivre un moment de grâce et presque un moment d'éternité, parce que, bien évidemment, l'Académie Victor de Becker a encore de beaux jours devant elle. Je voudrais remercier en votre nom toutes les personnes qui ont rendu possible ce rendez-vous important et toutes les festivités qui vont suivre. Je remercie les élèves de l'Académie qui se sont investis corps et âme dans la préparation de ce centenaire.
Je remercie avec l'infinie gratitude les équipes éducatives, les enseignants de l'Académie qui se sont dépensés sans compter pour préparer ces festivités. J'adresse évidemment un salut et un remerciement tout particulier à Madame la Directrice, Madame Belot, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Et j'adresse aussi en votre nom des remerciements à tous les partenaires de l'Académie Victor de Becker qui, à Jambou ou en dehors de Jambou, contribuent au rayonnement de la vie artistique à travers l'Académie sur l'ensemble du territoire. Je vous invite, mesdames et messieurs, à leur réserver un tonnerre d'applaudissements. Longue vie à l'Académie Victor de Becker.
de Becker était un homme passionné et altruiste. Il instaura et développera pendant plus de 36 ans les premières structures pédagogiques de l'école. En 1926, l'école de musique libre prend très vite de l'ampleur et devient communale. Elle reçoit donc les premières aides financières et logistiques de la ville de Gembloux. L'école était déjà à l'époque très active et organisait de nombreux concerts avec des partenariats grandioses tels que le Théâtre Royal de la Monnaie. Aussi, on ne parle plus d'école, mais d'académie de musique et de déclamation. Dans un premier temps, l'académie a occupé la maison des œuvres de Gembloux, mais très vite, elle va déménager dans les locaux communaux et occuper ceux de l'école des garçons de la rue Sigebert. 1952, l'académie est en deuil et M. Camille Schmitt succédera à Victor de Becker. Camille Schmitt est un musicien et organiste. Il s'occupera activement de la réorganisation des cours de base suivant les nouvelles instructions ministérielles. Très ouvert, impliqué et influencé par d'autres compositeurs belges, Camille Schmitt était un directeur avec une personnalité bienveillante. Il aimait passer dans les classes et encourager les élèves et les collègues. Je vous propose d'écouter une de ses œuvres interprétée par deux autres professeurs de l'Académie, Magali Dangros et Catherine Spillers. Thank you.
viendra alléger les finances communales et l'État reprendra à son compte la plus grande partie des charges financières de l'Académie, qui développera dès lors toute son équipe pédagogique, tant au niveau du domaine de la musique que de la déclamation. En 1966, Camille Schmidt quitte l'Académie pour prendre la direction du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles. L'Académie connaît alors une période de transition. Cette fameuse période de mai 68 qui laissera également entrevoir un paysage riche et plus mouvant au niveau culturel et artistique. Deux personnalités se suivront au poste de direction. Christian Berthe, un grand virtuose, suivi de suite par Henri Antoine, un ancien professeur de l'Académie qui reprendra d'ailleurs la direction de manière intérimaire, mais avec sérénité et bienveillance, fort attendue au sein de l'équipe pédagogique. 1970, déjà près de 50 ans que l'Académie existe, ce sera M. Claude Siquier qui sera appelé pour prendre la direction. L'Académie intégrera alors de nouvelles didactiques en pédagogie musicale et encouragera les élèves et professeurs à découvrir de nouveaux répertoires musicaux très différents. Claude Siquier, un mets composé. Je me rappelle d'ailleurs ces fameuses pièces imposées lors des concours de fin d'année. Aussi, je vous propose d'entendre une de ses œuvres interprétées par Marie-Alice Jean, toujours, et Jérôme Gabriel. À savoir que cette œuvre a été composée sur base des paroles écrites par notre regrettée Anne-Marie Carlier, une ancienne secrétaire de l'Académie, qui pendant plus de 20 ans a épaulé M. Siquier.
voilà tous plongés dans une ambiance fort attentive. Alors, je continue. Notre académie va, elle, se développer sur de nombreux points, tant au niveau musical que théâtral. Des nouvelles sections sont créées sur Mazy, Bezay, et puis sur toute l'entité de Jambon. Nous occupons alors plusieurs locaux, ceux de l'Athénée, dans l'ancienne conciergerie de l'abattoir, et ensuite, dans l'ancien hôtel de ville de Jambon. Des concerts et spectacles de théâtre sont donc organisés chaque année, dont ceux pour le 50e anniversaire. De nombreux partenariats se développent avec notamment les sections du jumelage d'Épinal en France. Et en 1974, un troisième domaine est créé, celui de la danse classique. Des cours qui sont organisés grâce à des professeurs, tous danseurs, dans de grandes compagnies et ballets. Ce domaine se développera rapidement grâce au plaisir que les élèves et parents partageront lors de nombreux galas de danse organisés chaque année scolaire. Aussi apparaissent de nouveaux cours, comme le cours de l'accordéon ou de la flûte traversière. 1981, l'académie va s'établir définitivement dans l'ancien hôpital d'Elrue. Ce bâtiment sera partagé avec différents services de la ville, la bibliothèque, l'ONE. Et c'était en fait une position géographique idéale pour l'académie, car elle est située entre deux grandes écoles, celle de Saint-Guibert et de l'Athénée. Les élèves n'ont alors que quelques pas à faire pour rejoindre l'académie. En 1999, après une carrière bien remplie au niveau de la direction de l'académie, M. Siquier prendra sa pension, bien méritée. Et ce sera le professeur de clarinette, M. Jean-Marie D'Artevel, qui reprendra le flambeau jusqu'en 2010. Avec l'aide des inspecteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la direction aura la lourde tâche d'introduire auprès de l'équipe pédagogique l'adaptation du nouveau décret de 1998, qui implique une réorganisation de nouveaux programmes et de nouveaux cycles de cours. Mais aussi, le corps professoral devra adapter tous ses cours, non plus sur des périodes de 60 minutes, mais de 50 minutes. Tout ça en assurant le maintien du niveau technique des élèves afin de rencontrer les normes et exigences des examens d'entrée des écoles supérieures, conservatoires ou de compagnies de danse. Les cours collectifs se développent également, tels le chant d'ensemble et l'ensemble instrumental. Le domaine des arts parlés se développera en parallèle avec des activités du centre au centre culturel de Jambon. En 2010, M. D'Artevel prendra sa prépension. De suite, à la demande de l'équipe pédagogique, l'Académie Victor de Becker pourra continuer à se développer activement, tant au niveau pédagogique que relationnel ou administratif. Les pédagogies évoluent rapidement grâce aux formations et à l'adaptation, encore, de nouveaux programmes communs à toutes les académies de Wallonie. De nouveaux cours sont créés. Dernièrement, le cours de danse jazz, de danse classique pour adultes, la danse contemporaine, pour le domaine des arts parlés, le cours de pluridisciplinaire et celui d'atelier d'application créative de déclamation. A noter également que depuis 2010, la ville de Jambon a répondu très activement aux besoins de l'académie en y effectuant de gros travaux d'insonorisation et en équipant chacun d'eux des locaux. Plus récemment, aussi, l'académie a pu profiter d'un geste généreux d'un mécénat jambontois avec un apport de nouveaux instruments et matériels audio. 100 ans. 100 ans, un siècle de vie, que d'évolution, que d'adaptation pédagogique, quelle responsabilité pour nos enseignants, mais quel plaisir également pour chacun de nous. Il y a peu, nous avons vécu une période difficile, 2019, une période où nous avons tous pu ressentir ce besoin profond de partage. Aussi pour notre académie, le besoin d'expression de l'élève est et restera au centre de nos objectifs, c'est-à-dire leur apprendre les différents langages artistiques afin d'être autonomes et créatifs, et aussi de les voir sortir d'un cursus quel qu'il soit avec un bagage qui lui permette d'être libre dans sa pensée et dans sa manière de s'exprimer. L'Académie de Jambon aujourd'hui est une école artistique qui accueille plus de 800 élèves de 5 à 81 ans. Ils sont tous formés et encadrés par plus de 30 artistes pédagogues dans les trois domaines, qu'ils soient de musique, de danse ou d'art parlé. Et croyez-moi, cher public, les projets ne manquent pas à l'Académie, n'est-ce pas, monsieur Lispa? Et au vu de l'implication de tous nos professeurs et de nos élèves, je peux vous assurer que les prochaines décennies vont nous apporter encore beaucoup de moments à partager.
Monsieur Dispard, cher public, permettez-moi de terminer ce prologue artistique en rendant hommage également aux personnalités qui ont soutenu notre école, qui ont fait et font partie de la ville de Jambon, ainsi que les professeurs qui se sont succédés et qui ont illustré l'histoire de notre académie. Je tiens également à remercier très chaleureusement le comité du centenaire pour son soutien afin de mettre en place les festivités du centenaire de notre académie, ainsi que les différents sponsors qui nous accompagnent pour cet événement. Monsieur Dispa, mesdames et messieurs, très chers publics, notre académie, ses élèves et toute l'équipe pédagogique vous propose, durant ce prochain trimestre, 9 manifestations. Toutes représentant des domaines et des disciplines différentes, dans des spectacles tout aussi beaux et originaux que possible. Et ce soir, comme a écrit Brel, je vous propose de tenter d'atteindre l'inaccessible étoile grâce aux super-héros, c'est-à-dire nos élèves chanteurs, acteurs, danseurs et musiciens, sans oublier nos super-professeurs de notre académie. Vous trouverez dans le programme le descriptif complet de cet opéra pour enfants composé par M. Romain Corbusier. Alors au nom de toute notre équipe, au nom de toute notre académie Victor de Becker, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous. Merci d'être là.